Bah, t'as entendu ça? C'est strange, non? Waouh, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. C'est deux abrutis qui trouvent une mouche géante dans un coffre de voiture et qui ont l'idée de la dresser pour gagner de l'argent avec. Voilà, pour l'exploiter. C'est le pitch tel qu'il existe et je peux pas faire mieux, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. C'est la réalité de mon film. C'est une nouvelle proposition de rire, très léger, et qu'en plus, la prise d'otage est très courte, puisque le film dure 1h17, et que c'est, en fait, c'est un petit plaisir qui demande très peu d'efforts, mais qui prend pas les gens pour des cons, et qui est quand même bien crafté, puisque moi, je m'applique à faire des films un peu joliment fait, et voilà, comme un artisan, quoi. Pourquoi on ne sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque, pour nous ramener le pognon de la banque, et nous, on fait rien. On l'apprivoise. La mouche est un petit monstre en caoutchouc qui a été longuement façonné par des artisans qui s'appelle l'Atelier 69. C'est des artistes qui font tout un tas d'effets pour le cinéma. Ils font des maquillages, ils font des zombies, ils font des monstres, ils font des plaies, ils font tout ce que vous voulez. Bon, voilà, ils ont pris un plaisir immense avec moi à fabriquer cette mouche. Donc c'était un long processus. Il y a eu plusieurs sculptures, il y a eu plusieurs tentatives pour en faire au final une marionnette donc manipulée par un marionnettiste. Et puis pour pimenter un petit peu, on a rajouté en 3D les pattes de la bestiole qui ont été animées en fait comme dans un Jurassic Park, je dirais. C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Quoi? Ça craint la mort, là! Le monde dans lequel on vit est absurde, donc en fait, on peut plus vraiment attacher ce mot à un film un peu loufoque, parce qu'en fait, ok, il y a une mouche géante dans le film, mais mon film est peut-être moins bizarre que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et moins absurde, en fait, que là, aujourd'hui, on écoute un monsieur à la télé qui nous explique qu'il faut garder un masque, avec des règles un peu précises, à 21h, c'est terminé, il faut rentrer chez soi, t'as le droit de manger à telle heure. Il y a un truc, quand même, il y a une absurdité dans l'air, et encore une fois, c'est pas mon rôle, en fait, d'évaluer tout ça, je suis même pas au courant, en fait, de la réalité des choses. Je sais même pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est flippant et ce qui l'est pas. Mais c'est quoi ce plan, là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi? Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde! Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous! Moi, j'ai le sentiment que ce qui se passe à l'extérieur, là, en ce moment, enfin, au cœur de notre ville, nos villes, j'ai l'impression que ça, c'est absurde. J'ai pas l'impression que mon cinéma le soit tant que ça, en fait. Moi, c'est du divertissement, c'est un truc un peu, voilà. Et en fait, j'ai pris l'habitude de répondre ça, parce que on me parle souvent d'absurde, mais j'ai l'impression que ça veut plus rien dire, en fait, à notre époque. Voilà. Puisqu'en fait, le rationnel a un peu disparu. T'es quoi, ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais.